Yop tout le monde, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Octane en domination 6v6. Dans cette partie j'étais en solo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une double KEM Fein à la M27 IAR, donc un très bon fusil mitrailleur. Donc sur ce fusil mitrailleur je l'avais équipé du silencieux et du chargeur grande capacité. Personnellement moi je mets pas de poignée, beaucoup de monde met des poignées tout ça. Moi je trouve que ça sert un peu à rien les poignées sur le jeu. À part sur... des fois je mets la poignée sur la Honey Badger, mais sinon... je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc là je suis déjà un spécialiste. Et en fait je vous ai mis la première partie du gameplay donc sur ma première série. Donc ma première série je la débute dès le début en fait. Vous allez pouvoir voir que c'est vraiment une série express que j'ai réalisée. C'est vraiment dommage que je sois mort parce que sinon j'aurais pu faire la double KEM à la M27 en solo. En plus j'aurais été super content. Donc là on se retrouve pour une simple KEM, même si la deuxième, comme vous allez pouvoir le voir, est vraiment presque réussie. C'est vraiment dommage. Mais bon, on va dire que c'est le destin. donc voilà. Donc dans cette vidéo je vais l'envoyer donc à la rage je pense. Parce que je trouve que c'est vraiment un très bon gameplay à voir. C'est du rush tout ça, puis il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de blocage de spawn, je me démerde tout seul dans le spawn. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, désolé aussi si je mets pas le screen de la classe, mais j'ai pas... C'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai carrément oublié de le faire, donc encore désolé. À mes prochaines vidéos, j'essaierai de mettre le screen de la classe, faudra que j'y pense. Mais des fois, j'y pense pas en fait, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, donc voilà. Donc encore désolé, voilà, c'est à ce moment-là que je vais avoir super chaud, là je suis tout rouge, et en fait je regarde là-bas, et il y avait encore un ennemi à côté de moi, j'ai dit putain, j'ai vraiment eu chaud, donc là 19-0, je tombe par terre, je suis tout rouge, et là il y a un mec. Franchement les gens, vous avez vu la malchance que j'ai, c'est un truc de ouf. Donc là voilà, on se retrouve pour la deuxième série, où je vais réaliser donc ma KM. Donc la deuxième partie, la KM, je l'ai réalisée à peu près en 2 minutes 30. Ouais, 2 minutes 30, 3 minutes, je crois. Non, pardon. Non, j'avais compté. Ouais, je l'avais fait en 3 minutes 30, 4 minutes. Donc, c'est correct, parce que c'est du solo. C'est vrai qu'en groupe, je l'aurais fait plus rapidement, là, quand même, vu qu'on bloque les spawns, tout ça. Mais là, vu que les spawns ne sont pas bloqués, j'ai mis un peu plus de temps. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà. Faire une KM rapidement en solo, c'est vraiment très dur, même si je sais qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent. Moi c'est vrai que je suis pas un joueur solo à mon habitude, c'est vrai que j'aime bien jouer en groupe. En fait si vous voulez, quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty, donc ça fait cela il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé à jouer à Call of sur BO1, donc Black Ops 1, et de Black Ops 1 jusqu'à fin début BO2, je ne jouais que solo. Donc voilà, j'ai pu jouer pendant 2 ans, 2 ans et demi que en solo. Donc franchement j'arrivais bien à jouer en solo, il n'y avait pas de problème. Puis après j'ai découvert le groupe, c'est vrai que le groupe j'ai bien kiffé. Donc c'est pour ça que je me suis mis au groupe, je me suis dit allez, là Blackbird on va se mettre au groupe, on va voir ce que ça donne. Et franchement j'ai bien apprécié cette expérience, enfin c'est pas vraiment une expérience mais si un peu quand même. Du groupe, donc l'expérience du groupe, franchement je kiffe. Mais c'est vrai que le solo c'est vraiment sympa parce que tout d'abord on peut bien se concentrer, c'est ça en fait la clé du solo. On peut vraiment bien se concentrer, que quand on est en groupe il y a des gens qui parlent, tout ça, on a un peu de mal à se concentrer des fois et on rate des KM bêtement, donc c'est vraiment dommage. Donc là vous allez pouvoir voir que je vais un peu rester immobile parce que le mec, j'avais peur qu'il remonte sa tête à la fenêtre. Je crois que j'ai bien... Non, j'ai pas bientôt avoir ma KM. Ah oui, je voulais vous parler aussi d'un petit truc. J'avais dit dans ma dernière... Enfin, dans ma dernière vidéo. Dans ma vidéo... voilà, dans ma KM à la SC 2010 sur ma chaîne, là, j'avais dit que j'avais eu mon splitter HDMI. Donc, ce gameplay-là, les gens, est filmé avec... Enfin, est filmé en HDMI. Donc, j'espère que vous verrez la différence de qualité avec à peu près tous les autres gameplays qu'on voit sur YouTube qui sont filmés en composants. Donc pour ceux qui voudraient acquérir ce produit, donc le splitter HDMI, je mettrai le lien de ce produit dans la description, donc pour ceux qui veulent l'acheter. Et pour ceux qui veulent l'installer, tout ça, un peu comment comment l'installer, tout ça. Là au passage j'ai vraiment chaud, je lui ai mis un gros turn. Pour ceux qui veulent savoir comment l'installer, je vous invite à aller regarder la vidéo de Yomax, que je mettrai aussi dans la description.
où il dit comment filmer sa PS3, PS4 en HDMI en bypassant la protection HDCP, en rappelant que la protection, en rappelant que la protection HDCP donc interdit de filmer en HDMI, mais grâce à Splitter on peut contourner cette protection, donc je trouve ça vraiment sympa et la qualité est vraiment mieux que les autres gameplays sur YouTube et je suis vraiment content de d'avoir acquis ce petit produit. Donc là voilà, j'obtiens ma KM. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc là j'ai coupé le gameplay, je vous mets le lancement de la KM. J'espère comme je dis que vous avez aimé le gameplay. Moi ça me fait super plaisir de commenter ce gameplay pour vous. Voilà, c'était Blackboard HD. Laissez un like et un commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.